qui n'étiez pas branché. Alléluia. Alléluia. J'aimerais ce matin vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, que j'ai reçu du Seigneur, qui est la paix du Seigneur. Et cette paix, on va la décortiquer en trois parties. J'aurais aimé avoir trois fois pour prêcher, une fois sur la paix de Dieu, la paix avec Dieu, une fois sur la paix avec les autres, nos relations entre nous, tout ce qui va, tout ce qui ne va pas, et comment, au travers de la parole, régler ces choses-là. Et puis surtout, le dernier sujet dans lequel je suis impliqué, c'est la paix avec soi-même, la paix de l'âme. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à dire, et la parole a des passages très forts pour cela, qui nous ramènent vers lui, qui nous centrent vers Christ, vers Dieu le Père. J'aimerais avant toute chose prier pour présenter ces choses et que nos cœurs soient disposés. Alléluia. Seigneur, je veux vraiment me remettre entre tes mains, remettre toute cette assemblée, tous ceux qui nous écoutent chez eux aussi, pour qu'ils soient bénis, et que, Seigneur, ensemble, nous puissions renverser ces forteresses, que nous puissions, Seigneur, établir ton règne, et nous puissions, Seigneur, soumettre toute autorité, Seigneur, à l'obéissance de Christ. Nos pensées aussi, Seigneur, nos cœurs, nos sentiments, nos émotions, et que toute chose, Seigneur, soit faite pour la gloire de Dieu, et que ton nom seul soit glorifié ce matin, Seigneur, ensemble et dans nos cœurs, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez tous bénis. Alors, cette paix ou ce shalom, on pourrait dire, j'aimerais qu'il soit à la fois dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos appartements, dans nos pays, et que ce shalom soit déversé partout où l'on passe, qu'on soit porteur de paix, qu'on soit ces flambeaux qui changent les choses, qui changent nos voisins, changent nos nations, changent nos lieux de travail, et que partout où l'on passe, c'est la paix qu'on apporte, le shalom de Dieu, le shalom de Jésus-Christ, qui est le prince de la paix, par-dessus tout. Alors la paix avec Dieu, c'est le plus gros, on pourrait dire, morceau, parce que ça commence par lui. Si nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu, on aura du mal à se réconcilier avec les hommes et à se réconcilier avec nous-mêmes. Donc je pense que c'est bon de faire la paix avec Dieu d'abord. On voit que Dieu, on va passer Jean 14, 27 pour le multimédia là-haut. On voit que Dieu nous aime et veut nous donner sa paix. Alors c'est extraordinaire parce que le monde court après la paix. Il serait même prêt à payer des fortunes. Les grands de ce monde courent après cette paix. Au travers de toute leur puissance financière, ils achètent. Mais ce qu'ils achètent ne vaut rien. Et ce n'est pas ça qui procure la paix. Par contre, on a chanté ce matin quelque chose d'essentiel au travers de Romy, c'était la présence de Dieu. Et ça, je veux insister là-dessus. Le pasteur Samuel nous l'a rappelé dimanche dernier. Vous vous en souvenez quand il nous a parlé de ce passage où, dans le jardin d'Éden, il y a eu la faute. Donc Adam a péché. Et quelle est la réaction de Dieu? Et ça m'a beaucoup étonné d'ailleurs. Parce que nous, en tant qu'hommes, on n'aurait pas réagi comme ça. Qu'est-ce qu'on aurait dit à Adam? On aurait dit, qu'as-tu fait? Mais qu'est-ce que tu as fait? Moi, c'est un petit peu ce que j'ai toujours dit à mes enfants. J'ai eu 4 enfants. C'est un petit peu, qu'est-ce que tu as fait? Alors que le Seigneur n'est pas du tout comme ça. Il veut d'abord une relation. Et la phrase qu'il a dite à Adam, où es-tu? Il ne voyait plus Adam. Et pour lui qui était un père, c'était la douleur la plus extrême, de ne plus voir sa créature, lui le créateur. Et c'est ce qu'il cherche ce matin, c'est nous trouver. Où es-tu ce matin? Où es-tu? Je te pose la question, où es-tu? Où sommes-nous ce matin? Et c'est vrai que Dieu est un Dieu de présence. Et on s'aperçoit que dès qu'on, nous-mêmes, quand on quitte sa présence, on est malheureux. On peut se réfugier dans n'importe quoi, mais c'est la présence de Dieu qui compte dans nos vies et qui fait qu'on est stable.
C'est cette présence qui nous rassure. Amen. On s'aperçoit aussi que c'est notre attitude qui modifie dans un bien ou dans un mal la communion avec Dieu, la relation avec Dieu. L'homme est libre, il est donc libre. Je ne sais pas si vous réalisez la liberté que Dieu nous donne. Le monde nous donne une certaine liberté, mais je préfère de loin la liberté de Dieu. Amen. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 7, 29, Dieu a fait des êtres humains simples et droits, mais l'homme, on le sait, a un cœur tortueux, ils ont tout corrompu. Mais ça me fait beaucoup réfléchir. Dieu a créé des hommes simples, des femmes bien sûr. Hein. Quand je dis des hommes, vous comprenez mes sœurs, hein. Vous êtes dedans. Il n'y a pas de discrimination. Et ça me frappe, ça, de savoir que Dieu a créé des hommes droits et simples. C'est comme ça que Dieu nous a créés, droits et simples. Mais le péché a tout corrompu. Le péché a tout annulé, pas annulé, mais a tout corrompu, effectivement. Et encore, c'est encore plus grave, on nous dit que tous ont péché. Romains 3, 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et ça, c'est le plus grand dilemme que l'homme a dans sa vie, c'est d'être privé de la gloire de Dieu. Parce que sans la gloire de Dieu, nous ne sommes pas grand-chose. Hein. Si la gloire de Dieu ne brille pas en nous, ne reflète pas Christ par le moyen du Saint-Esprit, on n'est pas grand-chose. On est vraiment, on peut être bien, effectivement, mais on ne reflètera pas la saveur, le goût de Christ. Et c'est ça que le monde recherche. On est le sel de la terre, rappelez-vous. Dans Romains 6, 23, nous voyons jusqu'où va la séparation. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort est rentrée par le péché. Car tous ont péché. Tous, on mourra. Tous. Tous. C'est vraiment terrible. Hein. C'est vraiment... On voit que ce péché était déterminé par nos décisions, nos attitudes, dirigé par notre égoïsme plutôt que par l'amour de Dieu. La Bible nous dit dans... Alors, ce matin, je vais donner beaucoup de versets. Je pense que la parole doit être proclamée. Je vais plutôt la commenter, la parole, mais je vais laisser passer la parole. Regardez bien tous les versets qui vont défiler. C'est eux qui vont vous marquer. Pas tellement ce que je vous dis, mais c'est eux qu'il faut que vraiment vous intégriez et vous pénétriez de ces versets. Dans Proverbes 14, 12, il nous a dit quelque chose qui est grave en soi, quelque part. Il nous a dit qu'il arrive qu'un homme estime sa conduite bonne, alors que finalement, elle le mène à la mort. Ça, c'est impressionnant. Hein. C'est-à-dire que l'homme se trompe lui-même. Il croit être dans le bon chemin, alors qu'il n'est pas du tout dans le chemin, en tout cas, que Dieu a fixé pour lui. Et ça, c'est vraiment... Moi, ça m'impressionne. Je me dis, Seigneur, ben, garde-moi, que je ne me trompe pas de chemin. Je pense toujours à ce fameux chemin dans le voyage du pèlerin, vous savez, où il y a plusieurs choses, plusieurs chemins. Et c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup, beaucoup travaillé. On pourrait faire une sorte de résumé de cette séparation avec Dieu en revoyant un petit peu le plan du salut de Dieu, qui est parfait et qui est, c'est ce que Dieu a pensé après la chute et pour redonner une deuxième chance à l'homme. Et là, je ne vais pas dire qu'il a mis le paquet quelque part, mais il a tout donné. Tout son amour de père est passé en sacrifiant son fils. Et voilà, on va lire un petit peu plus. De tout temps, l'homme a cherché à essayer de combler le vide qu'il avait en lui. Ce vide vient de la séparation d'avec Dieu. On voit plusieurs choses que l'homme essaye de par lui-même de faire pour essayer de combler ce vide. Alors il essaye par les bonnes œuvres. Et ce matin, si quelqu'un est convaincu d'être dans des bonnes œuvres, je lui dis arrête. C'est quoi les bonnes œuvres?
Est-ce que vous avez une idée de ce que sont les bonnes œuvres? Bien sûr, elles sont bonnes en soi, mais ce n'est pas ça qui va nous amener vers Christ. Ce n'est pas ça qui va nous sauver. Quand on comparaîtra devant lui, on ne va pas dire « j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça ». Bien sûr qu'il faut donner aux pauvres. Jésus le dit. Hein, si vous donnez aux pauvres, c'est à moi que vous donnez. Si vous donnez de l'argent pour des déshérités, des gens qui souffrent, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas ça qui va vous sauver. Donc, essayons de faire la part des choses entre ce que l'homme peut faire et ce que l'homme doit faire pour être réconcilié avec Christ. On voit aussi une autre chose déterminante qui arrive surtout par nos jeunes, la philosophie, qui est étudiée donc à l'école et qui vraiment déforme la pensée de Dieu et qui introduit dans la pensée de nos jeunes beaucoup d'autres choses qui perturbent le droit chemin que Dieu nous a fixé. Il y a aussi la moralité. Alors cette moralité, elle est terrible parce que, bien sûr, elle est essentielle. On doit avoir une bonne morale. Et on se doit de bien se conduire dans la société, avec nos voisins, à notre travail. Effectivement, on se doit. Mais ce n'est toujours pas ça qui va nous sauver. Ce n'est toujours pas ça qui va combler le vide qu'il y a entre Dieu et l'homme. Donc si vous, ce matin vous sentez rempli de bonnes œuvres, vous êtes quelqu'un de bien, ben, je ne veux pas vous décevoir, mais si vous tenez à être sauvé, ce n'est pas ça qui va vous sauver, d'accord? Donc ces choses sont importantes dans notre vie, il faut les faire, mais il y a autre chose de beaucoup mieux pour être sauvé. Et je pense qu'une des pires choses, c'est la religion. La religion, si on est attaché à une religion, alors là, on est un peu, je dirais pas handicapé, mais la religion fausse la réalité de Christ par des rites, par des coutumes, par des rituels, et elle brouille les choses, elle brouille l'essentiel, qui est la personne de Jésus-Christ. Et ne soyons pas une église religieuse, mais soyons une église de la présence. Une église qui vit ce qu'elle dit, qui vit ce qu'elle dit. C'est important, hein? Qui vit ce qu'elle dit. Amen. Amen. Donc cette religion, faisons attention. Respectons nos frères et sœurs d'autres communautés. Si nous avons l'occasion de prier avec eux, de faire des choses, d'évangéliser, d'avoir des soirées de louange avec eux, faisons-le. D'accord? C'est très important pour l'unité du corps de Christ. Mais pour nous-mêmes, gardons-nous. Faisons la part des choses entre la religion, ce que peut donner une religion, un rite, une personne, et la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Alors, cette séparation d'avec Dieu, elle est due à notre péché. C'est quoi le péché finalement? C'est simple à la fois, mais c'est une explication, c'est de rejeter Dieu finalement, rejeter son plan. Ça, c'est la principale chose. Tout le reste, je ne dirais pas que c'est accessoire, mais c'est secondaire. La principale chose, c'est de rejeter Dieu et son plan du salut. Et c'est ça, la séparation avec Dieu. Et cette séparation, elle a été comblée, on le sait tous, à la croix de Golgotha, hein, où Jésus a subi ce que moi, j'aurais dû subir, c'est-à-dire la mort. La mort parce que je méritais la mort. À cause du péché d'Adam, je suis né pécheur. Je ne sais pas si certains d'entre vous on le savent, mais on est né pécheur. On n'est pas né chrétien, on est né pécheur. Et on se doit, au gré de l'avancement de notre âge, de faire un pas vers Dieu au travers de Jésus-Christ et d'accepter ce que Dieu le Père a fixé pour toute éternité. La Bible nous dit dans Romains 5, 8, Dieu nous a montré à quel point il nous aime. Le Christ est mort alors que nous étions pécheurs. Le Christ est mort alors que nous étions pécheurs. Et aussi en 1 Timothée 2, 5, et c'est là le plan du salut. Il nous est dit car il y a un seul Dieu, et un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ.
Et lorsque un homme ou une femme accepte Jésus-Christ, c'est un des plus merveilleux moments. Il nous est dit que les anges se réjouissent dans les cieux parce qu'une âme a été sauvée. Donc vraiment, essayons, vous savez que le salut se travaille tous les jours, on dit, mais il y a eu un jour précis, où un homme ou une femme accepte ce plan et renonce à son ancienne vie, accepte ce que le Père a décidé. Alléluia, alléluia. Alors, qu'est-ce que c'est ce plan ? Dans Apocalypse 3:20, il nous est dit, écoute, 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 je me tiens à la porte de ton cœur. Je me tiens à la porte de ton cœur. Et si quelqu'un entend ma voix, et si vous entendez la voix, vous qui êtes chez vous dans votre salon, alors écoutez ceci et ouvrez la porte de votre cœur. Ouvrez-lui la porte. Pourquoi ? Parce qu'il veut entrer chez vous et souper avec vous. Je ne sais pas vous, mais quand vous dites à un étranger de venir chez vous, bon, on peut discuter sur le hall de la porte, sur le seuil de la porte, mais quand vous lui dites « entre et soupe avec moi », ça va plus loin. C'est que vous voulez avoir une relation avec cet homme ou cette femme. Vous voulez savoir qui il est et approfondir une relation avec. Et c'est ce que Jésus veut faire. Il veut entrer dans chacune de nos vies, souper avec nous et nous dire toutes les merveilles que le Père a en réserve pour nous. En réserve pour nous. Et le plus, c'est Romains 10, verset 9. Parce que bien sûr, Jésus va nous parler, mais il faut lui répondre. Il faut lui répondre. Ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Et toute notre vie va être un dialogue avec Dieu. Jésus va nous parler et nous, on va lui répondre. Il va nous parler et nous, on va lui répondre. Il est dit dans Romains 10, verset 9, « Si de ta bouche, tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur qu'il a ramené des morts, de la mort à la vie, tu seras sauvé. » Donc ce matin, si tu entends ce message, il faut que tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Donc on pourrait dire que la paix avec Dieu, qui est saint, mène à une vie abondante, où règne la paix et le pardon. Et cela nous mène à la vie éternelle. Non seulement on est béni durant notre trajet sur cette terre, mais on est aussi béni dans les cieux. On fait deux choses. On investit pour deux choses. Être en paix avec Dieu, ici-bas, et aussi en paix avec Dieu, là-haut. Donc soyons libres d'ouvrir la porte à Jésus. J'aimerais maintenant passer un tout petit moment pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ou chez vous dans votre salon. On ne va peut-être pas faire le plan du salut, mais vous expliquer les quatre étapes. D'abord, c'est reconnaître notre besoin, se reconnaître pécheur, égoïste, ne pas penser à Dieu. Notre vie est plus importante que Dieu, c'est ça l'égoïsme. Ensuite, c'est de tourner le dos au péché, c'est la repentance. Et ça, c'est vraiment, c'est pas demander pardon, hein. Le Seigneur n'a que faire des pardons. Il ne veut pas de pardon. Il veut de la repentance. La repentance, c'est quoi la repentance ? C'est vraiment s'humilier devant Dieu. S'humilier devant Dieu comme quoi ben, on a conduit notre vie dans les ténèbres. Si on continue comme ça, on va à la mort. Et que lui, il est la lumière. Et que si on se donne pleinement à lui et qu'on s'humilie devant lui, il va nous accorder sa vie. Troisièmement, croire que Jésus est mort à notre place. Ça, c'est très important. On méritait la mort à cause de notre péché. Et c'est nous qui aurions dû être crucifiés. Je ne sais pas si vous réalisez ça, mais moi, je ne sais pas vous, hein, mais moi, j'aurais du mal à m'imaginer. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est que ce Jean-José qui aurait dû être crucifié, ben, c'est Jésus qui est venu à sa place. Il a dit « Arrête, arrête, c'est moi qui vais à ta place ». Imaginez-vous quand vous conduisez à la croix. Imaginez-vous cela. Vous avez une croix devant vous, et vous êtes jugé, et on dit c'est ton tour, c'est à toi d'y aller, et de mourir.
Et puis quelqu'un vient, Jésus, il dit non, non, je vais payer pour toi, c'est moi qui vais mourir pour toi. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et la quatrième chose, c'est d'inviter Jésus à rentrer dans votre vie par le moyen du Saint-Esprit, pour que vous puissiez vivre une vie abondante, la vie que Dieu avait voulu de toute éternité pour vous. Et cela est important. Si vous faites ces quatre choses chez vous ou ici, vous pouvez venir voir, comme a dit Catherine tout à l'heure, vous pouvez voir des conseillers, ils seront là sur la gauche à la fin du culte. Si vous avez envie de vous consacrer ou de vous reconsacrer à Dieu, on peut être à votre écoute et vous amener vers le Seigneur. En deuxième partie, la paix avec les autres. Oh, j'aurais bien aimé avoir trois dimanches, vous voyez, un pour chaque thème. Mais là, on va faire un petit quart d'heure pour chaque. J'ai envie de vous donner le goût d'avoir cette paix, de goûter à cette paix. Et que ce soir, vous puissiez vous dire, mais est-ce que j'ai la paix de Dieu en moi? Et puis, voilà. Hein. La paix avec les autres, ça, c'est un gros sujet. Hein. C'est un gros sujet dans les églises. Il y a même des églises qui se séparent. Parce qu'on n'arrive plus à se supporter. On est trop différents. Et pourtant, la Bible nous dit, supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous. Quand je vous regarde, on est vraiment de nationalités très diverses, avec des coutumes très diverses, et pourtant, on arrive à s'entendre. Et ça, c'est merveilleux. On arrive à se supporter les uns les autres, à s'accepter comme l'autre est, non pas comme moi je le veux, mais comme l'autre il est. Et ça, c'est le mystère de la croix, le mystère parce qu'on a été régénéré. Avant, on ne pouvait pas faire ces choses-là. Alors, nous voyons dans Romains 14, 17 à 19, nous devons aspirer, désirer cette paix, cette joie, cette justice qui est dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume qui est, je ne sais pas où, hein, il est ici. Le royaume de Dieu est dans notre cœur et aussi parmi nous. Quand on s'entend entre nous, on manifeste le royaume de Dieu et Dieu est glorifié. C'est tout simple. Hein. Nous voyons dans Galates 5, 22, c'est un des nombreux fruits de l'Esprit. Vous savez qu'il y en a beaucoup et c'est un des nombreux fruits qu'on devrait avoir, que je devrais avoir. On n'a pas le choix, frères et sœurs, on n'a pas le choix. Cette paix qui nous a été donnée par Dieu, on est les seuls à pouvoir la donner. Ce n'est pas le monde qui va la donner, donc on est les seuls à pouvoir la donner. Je ne sais pas si vous réalisez la responsabilité que l'on a, mais on est les seuls sur cette terre à pouvoir porter la paix de Dieu en Christ aux hommes. C'est extraordinaire. Franchement, c'est un beau manteau que le Seigneur met sur nos épaules. Si nous voulons vivre en communion, c'est à ce prix-là. Nous devons nous entendre les uns les autres. Alors, dans Romains 12, 18, il nous est dit de vivre en paix avec tous les hommes. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais pour moi, cette parole « tous les hommes » est un grand mot que j'ai du mal à capter avec ma petite tête. Tous les hommes, c'est quoi tous les hommes? Ça peut être tous les hommes que vous croisez dans votre vie, ou femmes bien sûr, hein, on se comprend. N'importe qui. Et vous devez lui donner la paix de Dieu, le shalom de Dieu. Et c'est ce que cette personne attend de nous. Et si on lui refuse ce shalom, cette paix, ça nous sera redemandé. Donc soyons vigilants quand nous croisons quelqu'un, même un inconnu. Soyons disposés à lui parler de l'amour de Jésus, pour qu'il découvre lui aussi ce shalom, cette paix. Alors, différentes choses qui peuvent altérer, être négatifs dans nos relations. J'en ai pris quelques-unes, je n'ai pas tout pris, parce que alors là, on sera encore là à midi ou à une heure. J'en ai pris quelques-unes qui m'ont interpellé, qui m'ont travaillé. Je dis, bon, ben, je vais partager ces choses-là. En premier, c'est ce qu'on a vu au travers du plan du salut. C'est souvent, parce que déjà nous, si on ne va pas bien, on ne risque pas d'apporter grand-chose. On dit toujours qu'on ne peut apporter que ce que l'on a.
C'est-à-dire que je ne peux pas amener quelqu'un dans la foi plus loin que ce que j'ai compris. Un autre qui a compris plus amènera ce frère ou cette sœur plus loin parce qu'il a compris plus de choses que moi. Je ne peux amener que là où j'en suis. Je ne peux pas amener plus loin, je ne peux pas. D'ailleurs, ce n'est pas ce que Dieu me demande. Alors, c'est quelque chose qui nous tarabuste quelque chose. C'est toujours penser à nous. Et ça, c'est le propre de l'homme, c'est toujours penser à soi. C'est sûr qu'on vit toujours avec la même personne, c'est moi. Et cette personne, des fois, ben, nous, on aimerait bien qu'elle soit un peu mieux, qu'elle soit un peu, voilà. Mais on est comme on est, et on a besoin de la grâce de Dieu pour vivre. Donc, arrêtons de penser à ce qui ne va pas chez nous. Ça, c'est vraiment, j'arrête de dire, un retardateur de notre foi. Quelque chose qui nous retarde dans notre foi. Quand on pense à nous, on ne pense pas aux autres, on ne pense pas à Dieu. Et quand on pense toujours à ce petit nombril qui est là, ça ne va pas, ça ne va pas. On tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond, et ce n'est pas ce que Dieu veut. Et on se fait du mal, finalement. Et c'est une forme d'égoïsme. On ne pense qu'à soi. On est égoïste, finalement. Et la Bible nous parle de la maîtrise de soi. On doit vraiment se prendre par les deux mains là, et se dire, bon, tu arrêtes un petit peu ton cinéma et tu penses à Dieu et aux autres et à ceux dont ils ont besoin. Dieu a besoin d'une relation, besoin de prière, de louange, d'adoration. Et les hommes ont besoin. Ça résonne là, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, voyons, elles sont la maîtrise de soi. Dans Matthieu 5, 9, essayez de bien retenir cette phrase. Il nous est dit « Heureux ceux qui procurent la paix, parce qu'ils seront appelés... » Comment ils seront appelés? Vous savez? Fils ou fille de Dieu. Ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Fils et fille de Dieu. Comment Dieu doit être fier de nous quand on procure la paix. Une autre altération, ou ce qui nous handicape, c'est de vouloir absolument nous venger. Ça, on n'y coupe pas les uns les autres, à moins que vous soyez parfaits, mais on croise tout le temps des gens qui vont nous faire du mal, qui vont nous dire des choses pas bien, qui vont pas nous aimer. On ne sait pas pourquoi ils nous aiment pas. Je sais pas. J'ai rien fait à celui-là, mais il m'aime pas. Et on veut se venger. On se dit, mais c'est pas logique. Moi, j'ai aussi ma... Et on veut se venger nous-mêmes. Et ça, c'est un grand leurre, un grand piège dans lequel il ne faut pas rentrer. Le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne vous vengez pas vous-même. D'accord? Laissons ça au Seigneur. Seigneur, on t'apporte tous ces gens qui nous font du mal, qui nous font des coups de poisson, qui nous embêtent, qui nous coupent quand on est chez le boulanger, qui nous coupent, qui nous passent devant sans demander pardon. Seigneur, bénis, 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 bénis. Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et c'est à nous de les bénir. Ils ne peuvent pas nous bénir. On voit bien à ce qu'ils font. Donc vraiment, ne tombons pas dans ce piège de la vengeance. Nous ne voulons pas nous venger nous-mêmes, d'accord? Aussi, autre chose aussi qui peut nous handicaper dans nos relations, parce que plus on va, j'ai dit tout à l'heure, plus on va mal, hein, c'est de vouloir toujours acheter ce qui est à la mode, le dernier gadget, la dernière chose pour faire comme le monde. Mais on n'est pas de ce monde. On n'est pas de ce monde. On n'a pas besoin d'acheter le dernier smartphone, le dernier téléviseur, la dernière voiture, parce que mon voisin, il a cette voiture. Le Seigneur nous donne une voiture. Merci Seigneur. Qu'elle soit rouge, jaune, on prend ce qu'il nous donne et puis on va avec. On roule avec. D'accord? Donc soyons attentifs à cela. Il y a le psaume 103, verset 2 qui nous dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Par contre, on peut compter ses bienfaits. Chaque jour, je peux compter tous les bienfaits que la veille le Seigneur m'a fait. Et je dis merci pour tous ceux qui vont arriver aujourd'hui. Et soyons attentifs à ses bienfaits, parce que bien souvent, on ne les voit pas. On est vraiment des fois ingrats avec le Seigneur. Le Seigneur nous comble de bénédictions et on ne les voit même pas. Et soyons reconnaissants, parce que... Voilà. Dans le psaume, alors, retenir aussi, alors quelque chose de très très important entre nous, c'est de retenir le pardon. Je ne sais pas ce qui se passe. Retenir le pardon.
qui devrait être donné à un frère, une sœur, à notre famille. Des fois, on a blessé toute notre famille par une décision que l'on a prise. Bien sûr, c'était une mauvaise décision. Et lorsqu'on vient au Seigneur, on se doit de convoquer toute la famille, de demander un pardon à toute la famille pour ce qu'on a fait, ce qu'on a pu dire. Humilions-nous devant Dieu d'avoir retenu ce pardon, alors que Jésus-Christ n'a rien retenu. Il n'a rien retenu à la croix. Il n'a rien retenu. Et qu'il a accepté la souffrance de la croix pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu le Père et avec les hommes aussi. Et aussi, dans ce pardon que l'on peut donner, il y a un mystère aussi qui est que, au travers de ce pardon que je vais libérer, peut-être que certains viendront au Seigneur à cause de la décision que j'ai prise, à cause de ce pardon, ça va les libérer eux-mêmes. Bon, moi je serai libre, mais eux ça va les libérer. Et si je peux témoigner, ça peut les conduire au Seigneur. Donc vous voyez que le pardon est une arme puissante, efficace. C'est une de nos armes principales à nous chrétiens, hein, pour la conduite entre nous, c'est le pardon. Exerçons le pardon les uns les autres. Alors je vais citer plusieurs passages en haut ils n'ont pas, ce n'est pas la peine de les mettre. C'est Éphésiens 4, 32, je veux pardonner aux autres comme Dieu m'a pardonné en Christ. Colossiens 3, 12, je veux me revêtir de compassion, de bonté, d'humilité, de patience et de douceur. Colossiens 3, 13, supportez-vous les uns les autres. Et je pense que le mot supportez-vous, je ne sais pas si on en voit le poids, mais supportez-vous, c'est profond, hein, c'est vraiment quelque chose de lourd quelque part. Mais si on le fait dans la grâce, il n'y a aucun souci. On peut se supporter, si on est vraiment dans la volonté de Dieu, on peut y arriver. Et revêtons-nous par-dessus tout de l'amour. On peut pardonner, mais ayons de l'amour. Et si l'amour nous habite, lorsqu'on se croise entre nous, si c'est le lien qui nous unit, il n'y a aucun souci. On peut arriver à se parler, ne pas être d'accord, mais on arrive à se parler. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on n'est pas frère et sœur. Au contraire, je veux dire, on est, je ne sais pas, peut-être 200 ce matin, on est peut-être 200 avis différents sur une chose. Ça, ce n'est pas grave, je veux dire, hein, du moment qu'on s'entend sur l'essentiel. Amen. Aussi, de dire du mal ou de médire de quelqu'un. Alors ça, c'est terrible. Aussi, arrêtons de faire cela. Notre bouche, Jacques en parle, hein, elle peut produire la bénédiction et la malédiction. On peut dire du bien et du mal. La même bouche, vous vous rendez compte? Cette bouche, elle est alimentée par quoi? Elle est alimentée par notre cœur. Et ce qui est dans notre cœur, c'est ce qui ressort. D'accord? Si on a du fiel, si on est amer, ce qui va sortir de notre cœur ne va pas être beau. Et on va blesser. Par contre, si on est rempli de l'amour de Christ, on est régénéré, on est vivifié par son Saint-Esprit, on est conduit par lui. Donc là, on va bénir. Toutes les paroles qui vont sortir de notre bouche vont être des bénédictions, des bénédictions, des bénédictions. Et on pourra prier pour les gens en toute simplicité. Alléluia. Aussi, un verset que on fait ça avec mon épouse, je pense que beaucoup le font, c'est de ne pas permettre chaque jour, si on s'est mis en colère, à ce que le soleil se couche sur cette colère. Hein, et ne fasse que l'ennemi rentre et produise son œuvre. Et ça, je sais que, bon, on ne se met pas tout le temps en colère, mais les fois où ça peut arriver, à la fin de la journée, il y a un pardon, un bisou, et on s'est réconcilié. On ne permet pas à l'ennemi de nous attraper et de nous coincer avec un truc et de garder ça et de vouloir, non, j'ai raison. Qu'est-ce que tu as raison? Rien du tout. Tu n'as pas raison d'être mal avec ta femme, tu n'as pas raison. Ça, c'est, je veux dire, quoi que soit le sujet, hein, le fait qu'on ne soit pas d'accord, ce n'est pas bon. Donc, on se demande pardon le soir et on se couche en paix. Ça, c'est vraiment très, très fort de faire cela. Amen. La paix avec soi-même. Alors, je ne sais pas si... Je vais vous lire quelque chose. Je vais le lire, donc je vais être sur ma feuille.
pour parler de quelqu'un qu'on connaît très 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 mal, mais vraiment très 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 mal. Je vais vous lire quelque chose qui va vous surprendre, d'accord? Donc je vais être dans ma feuille, vous m'excuserez. Alors au plus profond de nous-mêmes se trouve un autre moi, caché au plus profond de nos cœurs. Il y a cet autre moi, dont le caractère représente ce que nous avons désiré être, et bien plus encore. Cette personne, elle est sans crainte, capable de traverser toutes les tempêtes de la vie. Elle est pleine de compassion et capable d'aimer tout le monde, même des personnes brisées, même si elles ne sont pas agréables. Cette personne est joyeuse et apporte vie et espoir partout où elle va. Elle prend courageusement position pour la vérité. Cette personne, dans l'intérieur de nous-mêmes, est notre moi réel, celui qui représente l'intention de notre Créateur lorsqu'il nous a créés. Dans notre cœur, on aspire tous à vivre ainsi, n'est-ce pas? On voudrait que ce soit nous, cette personne. On voudrait qu'on soit être comme ça, pouvoir être vraiment un être de paix parfait, un être avec la vérité de Dieu, un être qui ne laisse pas corrompre, un être juste et droit, comme il nous a été répété dans Ecclésiaste, Dieu a créé les hommes droits et simples. On veut être cet homme et cette femme droite, droit. Alors, pourquoi n'est-on pas comme ça? C'est la question qu'on pourrait se poser. Certains sont peut-être mieux que d'autres, plus avancés, certes. Ils ont compris des choses. Mais pour la plupart d'entre nous, on se bagarre avec ce moi, on aspire. Je ne sais pas si pour vous, des fois, ça me frappe, des fois, on a des aperçus de ce moi. Quand ce moi, il rêve, il voudrait être quelqu'un d'autre, il voudrait être comme ceci. Ben, faites attention à ce moi qui parle, parce que c'est votre moi le réel, celui que Dieu a créé. Quand Dieu nous a créés, vous rappelez que Dieu nous a créés de toute éternité, il avait mis un prénom sur ma vie, Jean-José, et il m'avait conçu déjà dans les temps anciens. Il a voulu que je vive, que j'arrive. Il a fallu pour ça que mes deux parents, qui n'étaient pas de ce pays, viennent dans ce pays et se rencontrent. Alléluia. Et ce moi intérieur, il faut y arriver. Ce moi, c'est le moi réel. Et toute notre vie va consister à ce que notre moi que je vois, que vous voyez, soit de plus en plus en adéquation ou vraiment comme une copie de ce moi profond, de ce moi que Dieu a créé, de ce moi que Dieu a désiré. Et vous rappelez-vous toutes les qualités que ce moi avait. Il était parfait. Il était parfait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On le sait, bien sûr, que c'est le péché qui a fait que toutes ces belles choses que Dieu avait imaginées ont été corrompues. Notre âme a été comme saisie par le péché. Elle a été corrompue. Depuis notre temps d'enfance, on était dans une famille, quelle que soit qu'elle était, peut-être pour certains dysfonctionnelle, certains c'était des familles désunies, brisées, et on a grandi là-dedans. Donc forcément que le moi qui arrive à l'âge adulte n'a pas du tout le même moi réel. Il est vraiment très très loin de ce moi. Et bien sûr, on doit réparer toutes ces choses-là. On doit passer du temps. Et bien sûr, le péché, quelles sont les marques du péché dans notre vie? Alors j'en ai cité quelques-unes, je ne les ai pas toutes mises. Mais un des signes principaux, c'est la douleur. On est mal, on a mal, on n'est pas bien. Le rejet, on a été rejeté par notre famille, par la société, notre travail, nos voisins. Je ne parle pas de ceux qui sont rejetés en Christ. Je parle de notre... parce qu'on est rejeté, parce que les hommes... L'abandon. Certains parmi nous ont été abandonnés. La violence. Certains ont vécu des violences terribles. L'injustice. On est injuste avec nous.
Les abus. On a abusé de nous quand on était petit ou petite. La déception. Ça, c'est terrible. Déçu. 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 L'intimidation. Et toutes ces choses-là ne sont que de la surface. Parce que tous ces, on pourrait dire, ces mauvais fruits vont produire d'autres choses en dessous. Vont produire des choses encore plus profondes. Ça, c'est ce que nous voyons, ça. Ce sont les causes. Mais après, il y a les fruits de ces causes qui descendent dans notre âme et qui font que l'on devient amer, que l'on devient violent, que l'on devient... Enfin, bref, voilà. Toutes les mauvaises choses que l'homme peut faire ou que les femmes peuvent faire aussi. On voit dans Romains 5, 12, c'est l'explication de tout cela, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Tous ont péché. On voit que dans Ésaïe 59, verset 2, ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, ben derrière, c'est un peu triste ton truc là, hein, il faut un peu... voilà. Alors les bonnes nouvelles quand même, parce que le Seigneur bien sûr est intervenu et a mis en place tout un plan pour que ce moi qui souffre, ce moi qui vit aujourd'hui, se rapproche de plus en plus de ce moi réel qui vit au-dedans de nous et qui veut arriver à vivre. Voilà, on va lire Luc 19, 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Tous ceux qui étaient perdus. Tous ceux qui étaient perdus. Éphésiens 2, 10 nous dit ce que nous sommes. Nous le devons à Dieu par notre union avec Jésus-Christ, qui nous a créés pour une vie riche de bonnes œuvres, qu'il a créées d'avance. Le but de Jésus est de nous restaurer, on le sait, corps, âme et esprit. L'esprit, lorsqu'on se convertit, est engendré. Il y a une connexion entre le Saint-Esprit et notre esprit. Et ensuite, ce Saint-Esprit nous conduit pour que notre âme se mette en route dans la foi. Vous rappelez le passage de David qui disait « Mon âme bénit l'Éternel ». Il se forçait à son âme de bénir l'Éternel. Bon, il n'avait pas toujours des jours heureux, David. Là, il était dans des profondeurs terribles. Mais il disait « Mon âme bénit l'Éternel » parce qu'il savait que c'était là la source de sa joie, la source de son salut. Alléluia. Et aussi, donc, retrouver cette restauration de notre être entier, bien sûr, qui a été perdu, et qu'on puisse vivre une vie de liberté en Christ. Alléluia. Je vous parlais de quelqu'un qui est très connu, je ne dirais pas son nom parce qu'elle est trop connue, mais c'est une dame qui a été abusée par son papa quand elle était petite. Et elle a beaucoup souffert de cela et ça a été une vie brisée, une vie de galère, on pourrait dire, pour cette femme-là. Et cette femme est parvenue au Seigneur. Et maintenant, c'est une des prédicatrices qui parcourt la planète. Et cette femme a eu la chance de connaître Christ et de pouvoir remettre toute sa vie à Jésus-Christ. Et au travers de Jésus, elle a expérimenté la puissance du pardon. Et elle a pu arriver à pardonner à son père. Elle est allée le voir, elle lui a pardonné. Et ce qui est extraordinaire dans tout ça, c'est qu'elle a pu l'accompagner jusqu'à sa mort. Elle a pu être une aidante auprès de son papa. Et le miracle de la vie céleste, c'est qu'elle a pu le conduire à la vie céleste. Elle a pu le conduire au salut. Et c'était extraordinaire que cette petite fille qui aurait pu en vouloir à son papa et le détester, ne plus jamais, jamais, jamais. C'est ce que le monde fait. C'est qu'on se sépare, les familles. Maintenant, que fait le monde maintenant dans les familles? Ça ne va pas, on se sépare. Ça fait des familles recomposées. Ça ne va toujours pas, on se resépare. À la fin, on ne sait plus. Ça fait des familles sur familles. Je ne sais plus, ça fait des familles bizarres. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour cette petite fille? Il y a eu deux âmes de sauver. Elle-même
et son papa, parce qu'elle a obéi, elle a expérimenté la puissance du pardon. Donc deux âmes de gagner dans le royaume de Dieu. Vous voyez, c'est extraordinaire de suivre le Seigneur. On peut avoir des choses. Amen. Je vais passer à la conclusion. Conclusion de cette paix avec Dieu, cette paix avec les autres et de cette paix avec soi-même. Et donc c'est important de faire cette paix, c'est capital. Si on veut grandir dans notre foi, il faut absolument qu'on soit dans la paix, qu'on retrouve cette paix. Et si on n'a pas la paix ce matin, vous pouvez toujours venir prier avec nous, on se tiendra devant pour vous. Mais il faut quand même définir des choses, frères et sœurs. Parce que cette paix, si on ne l'a pas, c'est pourquoi? C'est à cause de quoi? C'est à cause des décisions que l'on prend, des mauvaises décisions. Mais c'est nous qui avons pris la décision, ce n'est pas Dieu, c'est nous. On peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. On peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Donc soyons honnêtes avec le Seigneur. Et si on réalise qu'on s'est trompé, on peut toujours venir devant lui. On pourrait lire un passage qui appuie ce que je dis dans Romains 14, verset 12. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc là, quand on se présentera devant lui, un Sylvestre, ben, je ne pourrais pas dire, ouais, mais Sylvestre, non. C'est Jean-José, tu enlèves Sylvestre. Tu ne pourras rien faire pour moi, Sylvestre. Et moi, je ne pourrais rien faire pour toi. Donc, désolé. Mais voilà, donc, décidons aujourd'hui ce que sera demain. Décidons aujourd'hui ce que sera demain. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de la réconciliation. Donc, prenons les bonnes décisions pour notre vie. Et au travers de notre vie, on l'a vu au travers de cette sœur en Christ, on peut bénir et amener d'autres âmes en Christ. Alors, dans les derniers passages, il y avait Romains 15, 13. Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de joie, d'espérance et de sa paix, par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alors, nous n'oublions pas que Jésus est le prince de la paix. On voit aussi qu'on a une course à faire, vous savez, mais dans cette course, il faut la faire avec joie. Hein, on voit ça dans Actes. Paul disait « Je cours avec joie ». Pourtant, sa course, elle n'était pas facile. Hein. C'était une course dure, mais ô combien glorieuse. Combien de joie, combien de fois il a vu la gloire de Dieu. Et c'est extraordinaire. On voit aussi dans Zacharie. Alors, je suis un peu perdu. Zacharie. Voilà. Zacharie 8, 16, 17. Ne craignez pas. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité, chacun à son prochain. Hein, jugez-vous dans vos portes selon la vérité en vue de la paix, que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. N'aimez pas le faux serment. C'est ce que haït dit l'Éternel. Ça, c'est vraiment de se garder de cela. Pour finir, j'aimerais alors peut-être lire encore un verset, et puis je vais passer un petit temps avec vous. Alors, ce verset, il va arriver. Voilà. On dit aussi que Dieu n'est jamais en retard, ni trop en avance. Alors, si vous en voulez à Dieu, parce qu'il ne vous répond pas, sachez que Dieu n'est jamais en retard. C'est peut-être nous qui sommes en avance. Mais Dieu n'est jamais en retard. Il n'est jamais trop en avance. D'accord? Il y a un temps de Dieu pour chaque chose. Aussi quelque chose qui peut nous handicaper, c'est que des fois un frère, une sœur reçoit quelque chose, un don de Dieu, un cadeau de Dieu. Ne soyons pas jaloux de ce cadeau. Nous ne le désirons pas forcément. C'est ce que Dieu voulait pour cette sœur ou ce frère. Mais nous, on aura autre chose. Ou on aura la même chose, mais à un autre temps. On n'a pas tous le même temps, les mêmes cadeaux. D'accord? Parce que sinon, on s'en recevait. Imaginez-vous qu'on reçoive tous les cadeaux le jour de notre conversion. Ben déjà, on ne saurait pas où les mettre, on ne saurait pas quoi en faire,
ne saurait même pas comment ça marche. Hein. Imaginez-vous un cadeau, vous ne savez pas comment ça marche. C'est vraiment... c'est... D'accord ? Donc, ne nous embarrassons pas de ces choses-là. J'avais un passage que j'arrive pas à trouver. Mais c'est pas grave. Je vais passer un petit temps avec vous. Pas très long. Il y a du bruit dans les... Alors, excusez-moi, parce que je cherche désespérément un verset que je n'arrive pas à trouver. Ah oui, c'est Galates 5. Est-ce qu'on peut mettre Galates 5, versets 7 à 8 ? Et s'il peut rester sur l'écran, ça serait gentil, merci. J'aimerais passer un tout petit moment avec vous, dans la prière. Parce que... Après un message comme ça, on ne peut pas rester insensible, on ne peut pas rester froid, il faut répondre à Dieu. J'aimerais qu'on prenne un temps chacun, donc chacun personnellement, tout le monde, chacun va s'examiner, on va rester en silence, les yeux fermés, on va prendre 2-3 minutes, 4 minutes s'il faut, pour s'examiner là où on en est, et surtout, qu'est-ce que l'ennemi m'a volé ? Est-ce qu'il t'a volé ta joie, la paix que tu avais ? Qu'est-ce que l'ennemi t'a volé ? Ou qu'est-ce qu'il te fait croire surtout ? Essaye de demander, oh, je vais prier le Saint-Esprit pour qu'il nous éclaire les uns les autres, et moi-même en premier, pour qu'on puisse entendre quelque chose ce matin, ou voir quelque chose. Et après ce temps-là, ça sera ça que vous devriez faire en priorité. Parce que le Saint-Esprit va vous montrer quelque chose, soit par une parole ou une image, et vous devez prier sur ça. Priez, parce que c'est le temps, c'est maintenant le temps de régler ça. D'accord ? Donc on va prendre ce temps. Voilà. Le passage le dit bien, vous courriez bien, qui vous a arrêté ? Qui c'est qui vous empêche ? Qui vous arrête ce matin ? D'obéir à la vérité. Si je peux avoir un fond, Sarah ? Ah oui, après, oui. Voilà, donc on va rester en silence pendant 4-5 minutes. Puis laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tout puissant, il a autorité. Et c'est lui qui va vous montrer dans les méandres de votre cœur, de vos pensées, de vos sentiments, ce que l'ennemi fait en ce moment. De quoi il vous a coupé ? Ou qu'est-ce qu'il vous a pris ? Pourquoi tu es arrêté ce matin ? Et vous qui êtes à la maison, faites la même chose. Mettez-vous devant Dieu. Demandez à Dieu, qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Où j'en suis ? Pourquoi je suis arrêté ? Pourquoi je n'arrive plus à avancer dans ma foi ? Et le Seigneur va vous révéler quelque chose. Et on sera tous avec des révélations différentes ce matin. Amen. Alors pensons ce temps en silence. Respectons-nous et croyons que le Seigneur va nous parler. Amen.
Seigneur, parle à plusieurs. Seigneur nous amène devant sa croix. Apporter à la croix ce que tu vis. Vous avez envie de pleurer, vous pouvez pleurer, vous savez. Quand le Seigneur m'a montré comment j'étais devant lui, je m'en souviens, j'ai pleuré pendant plus de 2 heures. On a même dû me sortir de la pièce parce que je dérangeais tout le monde. Mais j'ai pleuré pendant 2 heures. Amen, amen, frères et sœurs. J'espère que le Seigneur vous a parlé, le Saint-Esprit vous a parlé, vous a révélé des choses. Est-ce que le Seigneur a révélé plusieurs choses à certains? Vous pouviez simplement lever la main, tous ceux qui ont reçu quelque chose. Amen, 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 amen. En sachez que la chose que vous avez reçue, c'est la chose que vous devez travailler maintenant. Poursuivez le Seigneur, poursuivez-le. Pour avoir la libération, la guérison. Merci de votre écoute. Soyez bénis. Et n'oubliez pas, procurez la paix autour de vous. Donnez-la. Donnez-la. Un mot d'ordre, donnez la paix. D'accord ? Soyez bénis. Merci.